Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon dernier album, celui que je viens de terminer sur la Croatie. C'est un voyage de 15 jours que j'ai fait avec ma famille en 2019. Donc là, je l'ai terminé, il est relié, c'est un album relié. Et chose exceptionnelle, vous allez voir, exceptionnelle chez moi, et bien c'est que j'ai travaillé uniquement sur les pages en recto. Ce qui fait du coup un gros album, mais vraiment un bel album aussi, qui va vraiment... vraiment bien mettre en valeur les photos. Enfin, je l'espère. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, bien sûr. Je vous montre ça. Alors, cet album, il est assez conséquent. Il fait 36 pages. À la fois, c'est des pages simples et des pages doubles. Et avant même de le réaliser, j'ai créé des schémas de pages pour savoir comment j'allais l'organiser. En fait, j'avais des très très belles photos. Enfin, je les trouvais très belles. Et puis, je ne voulais pas les découper. Donc, en fait, j'ai organisé en schéma. Alors là, c'est ma couverture. Donc, j'avais cette belle carte postale que j'ai achetée sur plage. J'ai fait une scénette que j'avais fait en vidéo d'ailleurs, en visio. Et puis après, voilà, il y a mes photos. Donc, le premier schéma que j'ai trouvé, c'est les 4 photos. Alors, il n'y en a que 3, mais les photos que j'ai recoupées en carré de 10 cm. Et donc, à chaque fois, en fait, j'ai fait un schéma où j'ai recollé, en fait, sur un grand carré qui sert de passe-partout. Donc, vous allez voir, en fait, après, j'ai alterné les pages bleu pétrole et les pages blanches. Donc, quand j'ai cette couleur de page, elle était juste parfaite pour mon album. Et voilà, je me suis vraiment éclatée. Vous voyez, j'ai belles photos bleu azur et la Croatie, je vous recommande pour ça. Donc, là, schéma sur un passe-partout de l'autre couleur avec des bulles qui sont faites avec des stickers autocollants, voilà, les bleus, pour cet album. Là, c'est exactement le même schéma, sauf que c'est dans l'autre sens, c'est bleu sur blanc, 4 photos, donc voilà, ça me permettait de ne pas les recouper beaucoup. Deuxième schéma, c'est 2 photos horizontales et on est sur fond bleu pétrole, donc là, après, j'ai complété avec des morceaux de blanc. Et alors ces morceaux de blanc, parce que j'aime bien faire de la récup, j'aime bien pas avoir de chute, ce sont clairement les chutes de ce carré dans ma page, parce que j'ai recoupé des pages 30-30, et j'utilise les chutes pour faire ça. Voilà, alors là j'ai choisi de les décorer avec de l'encre bleu pétrole, c'est l'encre qui est assortie en fait avec cette couleur de page, l'encre que j'ai placé avec un pinceau brosse, technique que j'ai trouvée dans la dernière Easybox remerciement. Allez dans la playlist Easybox, vous allez voir, il y a plein de choses sympas. Et remerciement, vous verrez cette technique, évidemment, quand vous achetez la box. Au niveau de la déco, j'ai utilisé le tampon avec ce motif-là que j'aime beaucoup. Après, on passe sur un troisième schéma, on est sur une page double, où là, j'avais 2 photos verticales. Donc là, à chaque fois, je complète avec un papier bleu pétrole, qui est encore une fois la chute qu'on a vue avant, une déco assez légère. Alors, pour mettre un petit peu de relief dans ces papiers bleu pétrole, le produit que j'ai utilisé après, c'est l'encre nacrée Easing. Si vous la cherchez, c'est encre 751. Ça, j'en ai mis partout. D'ailleurs, j'arrive un peu à la fin de mon tube. Ça, vraiment, vraiment à voir. Absolument, ça va aller avec tout. À l'intérieur, je suis restée assez sobre. En fait, c'est beaucoup de photos, donc des découpes pour que ça s'encastre. La déco, c'est simplement des traits de feutre. J'ai trouvé le feutre qui allait parfaitement avec la couleur pétrole. C'est celui-ci, c'est le Zig couleur dénime. À trouver également toujours en catalogue ASA. Ceci dit, c'est une fin de gamme, donc il faut, si vous le voulez, il va falloir vous dépêcher. On retourne sur le schéma des 4 photos. Donc, je me suis vraiment adaptée à mes photos. Là, le schéma 2 photos verticales sur fond blanc. Donc là, j'ai mes 2 rectangles pétrole. Et là, je les ai décorés avec de l'embossage blanc et un tampon. Au niveau des petites décos, c'est étiquette avec des flèches. Voilà, et puis en fait, en fonction des photos, j'ai choisi tel ou tel schéma dans ceux que j'ai réalisés. Ici, j'avais une photo en plus, j'ai rajouté une ouverture avec un aimant. En fait, ces schémas, je les ai dessinés avant de faire mon album, en fait. Hein. Je les avais définis avant, comment j'allais procéder. Voilà, les 2 photos verticales, et après, ça revient régulièrement. Voilà, encore une page double. Quand il manquait une photo, j'ai laissé un creux qui me permet de mettre
un commentaire. Voilà, donc franchement, je vous recommande la Croatie, c'est vraiment très chouette. Ben, on y est allé 3 fois déjà. Et on pense, ben, dès qu'on pourra, y retourner aussi encore pour vous découvrir les nouveaux coins. C'est vraiment très très chouette. Vraiment. Et pas trop loin. Voilà, ce tampon, franchement, je vous le recommande. C'est celui-ci. Il s'appelle Road Trip, c'est un Tamdai. Et alors, là, je les ai utilisés. Voilà, le tampon tel quel, mais vous pouvez aussi le découper et le mettre en relief. Là, alors, vous ne le trouverez pas dans le catalogue 2021 d'Asa, je préfère vous le dire. Et si vous le voulez, ben, il en reste, donc vous le trouverez, vous pouvez le commander. Je vous mets la référence sous la vidéo, mais vous dépêchez-vous parce qu'en fait, il est limité en quantité. Voilà, après au niveau de la déco aussi, j'ai utilisé les perles bleues. Et voilà, je termine sur un carton qui me permet de renforcer ma couverture d'album. Et puis un plexi qui me permet de protéger. Pour les titres, j'ai utilisé un gabarit, un pochoir alphabet. C'est celui qui s'appelle Cécile, c'est le Gap 2300. Et j'ai utilisé toujours le même dans tout l'album pour avoir une unité. Ben voilà, je fonctionne toujours comme ça aussi sur les albums pour cette unité de titres. Voilà, vous savez tout sur cet album. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif de la vidéo pour retrouver où trouver les produits s'ils vous ont plu. Et puis aussi, vous retrouverez le lien sur mon jeu concours que je fais chaque mois. Donc si vous n'avez pas encore participé à celui du mois, eh bien allez-y pour ce mois-ci. À bientôt, ciao ciao!